sortir d'apprendre que je suis invitée au Ifluent Mom, c'est juste énorme. Je suis une Ifluent Mom. Quoi, vous savez pas ce que c'est? C'est la grande et unique rencontre annuelle entre blogueuses maternité et marques de puériculture organisée par Parole de Maman. Et quand tu deviens une Ifluent Mom, une nouvelle vie commence. Attends, quitte pas. Oui, attends, quitte pas. Oui, excusez-moi, je vous disais l'interview, c'est pour le 3. Ah, attendez, ça sonne. Ne quittez pas. Oui, bonjour, je vous reprends dans 3 minutes. Donc, je disais l'interview, c'est pour... Attends, quitte pas, je... Oui, bonjour. Angélique Parquizé-Lange. Ifluent Mom. Vous êtes le facteur, vous avez un colis pour moi, c'est super. Et en même temps, quand je suis arrivée sur place, je faisais pas ma maline. J'en étais complètement décoiffée. Et voilà, j'arrive au Ifluent, un peu en retard, mais j'arrive. Bonjour. Ça va? 2 jours fantastiques ont débuté à ce moment-là. Déjà, pour la première fois de ma vie, j'ai monté les marches. Le tapis n'était pas rouge et puis il y avait moins de marches que d'habitude, mais quand même quoi. J'ai ensuite découvert tous les badges stars et je me suis dit ah, le mien est dedans. Mes chevilles avaient définitivement enflé. Vous avez des super cheveux vous en plus ça. Ouais. Vous pouvez me faire. Si vous gagnez un quiz, il y a la coiffeuse de chez Vogue qui va vous faire une super coiffure de dingue. Quand on est une Ifluent Mom, on se fait chouchouter. En fait, je me suis fait chouchouter avant de sortir mes blagues pourries. Parce que sinon, on m'aurait jamais chouchouté, quoi. Alors, je mets le bracelet répulsif anti-moustique et je vais aller tester s'il y a des moustiques dans le coin. On va voir. Il y a des chats et il y a des chats. Ça rien, c'est pas des moustiques. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un moustique? Non. Donc ça ne... Ouais, ça ne marchera pas. Hein, le répulsif anti-moustique, non? Ah, attention. Mais sinon, ça fonctionne très bien pour si vous vous coupez le doigt un petit peu ou si vous avez des brûlures, vous en mettez tout de suite et ça va. Alors, pour tester, je vais me couper le doigt. Vous avez un couteau, s'il vous plaît? Comment je peux me couper le doigt? Sinon, il vaut mieux demander à une personne qui a peut-être, qui s'est peut-être coupé le doigt. C'est vrai que je vais me couper le doigt? Oui, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Rien de bien, je suis toujours pas le vrai nom. Bonjour, Anthony. Anthony. Donc notre nouvelle écoute bébé connectée, donc la grande particularité, c'est ouais, évidemment la portée illimitée de l'écoute bébé. Donc ça c'est vraiment top parce que quand vous êtes à New York par exemple, vous pouvez voir votre bébé sur votre portable, voilà. Puisque ça fonctionne en fait avec une application. Donc en fait ça va être sur Wi-Fi. Complètement, vous pouvez le laisser tout seul, il n'y a pas de souci. Ça, c'était mes blagues, mais je vous parle pas de ma maladresse. Leslie de Parole de Maman, je m'excuse d'avoir cassé tout ton événement. Ouais. Alors, allez, voilà. Allez, on laisse les chats. J'attribue la palme de la patience à Baby Bjorn. J'attends ma photo, je reçois pas mon mail. Non mais je comprends pas là, je reçois pas mon mail. Je vais m'énerver. C'est un scandale. Un scandale, je reçois pas mon mail. C'est un scandale. Non, mais moi je suis pas d'accord. Je remets également le trophée de l'entrepreneur la plus imperturbable à ma jolie Fabrice. Voilà, on a les bolas de grossesse qui sont les bolas The Good Karma Shop. On les a en modèle Liberty avec des petites étoiles. Non, c'est des petits. Ça fait un petit tintement, c'est pour la grossesse. Et du coup, ça accompagne vraiment le bébé tout au long de la grossesse. Et une fois la naissance arrivée, ça permet d'avoir une reconnaissance justement du petit tintement au moment de l'allaitement et ça l'apaise. Donc c'est vraiment très sympa. Et je crois que la palme du cadeau le plus pratique pour des blogueuses venues des quatre coins de la France peut être attribuée à Huggies avec son poisson dans le bocal.
Trêve de plaisanterie, au IFUIN, j'ai vraiment découvert des marques et des produits originaux. Un transat pour adultes Baby Bjorn, un verre dont l'eau ne coule pas, des poupons au poids de vrais bébés. Et chez Blédina, c'était trop tentant. Du pop-corn au wasabi. Goûtons ça. Non, en fait, ce qui m'a vraiment fait chavirer, c'est le photographe. Sur le coup, j'ai cru que j'avais une touche. Mais en fait, c'était de la politesse. Il était plus intéressé par la belle Elodie Gossuin. Tu parles. Alors, je me suis tournée vers le sulfureux Yoni, qui animait un atelier cuisine sur le stand de Biocoop. Un coquin, ce Yoni. Vous allez sentir, c'est ferme et rebondi. Ok, donc il faut vraiment que le poulet... Alors je tiens à dire à la caméra que la fille qui a rigolé, c'est la personne qui tient la caméra. Ah oui, c'était hot, les effluentes mamans. On commence à chatter et là le premier truc qu'il me dit c'est « ça te dirait quand on se verra de t'asseoir sur mon visage pour m'étouffer ?» Bah moi j'ai essayé le plug anal. Pour rester inhumé vos sexes, faut être bio combi latex. Alors pour survivre la c'est bien dur, c'est bien ferme. J'ai tenté des expériences. J'ai fait un stage Kama Sutra, testé la brouette thaïlandaise. Les pieds en l'air, la tête en bas, j'ai rendu mon poulet basket. On pourra pas nous reprocher, au moins on aura essayé. Vous pouvez dire que ça fait mémé, mais ce qu'on préfère c'est bon missionnaire mon gueuse, berceuse, fonction vibreur pour celui-ci. Enfin, fallait que je me tienne bien, parce que regardez... Le garde du corps de la secrétaire d'État chargée de la famille m'avait à l'œil. Au Spot Effluent, j'ai pu étrenner un moment très rare. Gagner à un jeu concours. Bon, d'accord, j'ai triché, j'ai fait ma mentaliste. Il faut trouver le nombre de moutons, c'est ça ? Ça, il faut estimer à peu près le nombre de moutons. Sur ah, j'ai rien, poker face. 5 000. Allez, dis-moi. Tu peux rien dire. Mais en tout cas, vous pouvez jouer. Je note 4 000. Poker face. J'ai pas le droit de dire. Allez, j'ai 3 500. 3 000. Ok. 3 000. On joue. Je note vos coordonnées et tout. Ouais. Ok, super. Le stylo. Vous avez gagné un sac à danser, mais des produits à Marseille. Génial, moi qui gagne jamais au jeu, c'est la première fois, sauf que là, c'est pas un jeu de hasard. Un million. Alors, peux-tu me donner un numéro entre 1 et 20? Là, ça va être compliqué. 15. C'est parti. Alors, en comparaison avec une veilleuse classique, de combien de pourcents sont les économies réalisées par une veilleuse écologique? Soit 200% d'économie ou soit 2000%? Bah, s'il y a la question, c'est que c'est 2000%. Allez, 2000%. Ouais. Et le petit cadeau. Hop là, le petit bracelet super écolo et le support de téléphone. Oh, sympa. Yes. Je suis hyper cultivée, n'est-ce pas? Oui, c'était de la déduction, et alors? La vidéo serait bien trop longue si je devais vous raconter tout ce que j'ai pu faire ou voir au Spot Effluent. Car là-bas, j'ai rencontré des femmes des années 60 chez Diffrax. Des super-héros. J'ai croisé la sublime célébrité et future maman, Karine Ferry. J'ai vu des stands branchés nouvelles technologies. Des interviews de choc. C'est votre premier enfant? Vous avez dit deuxième? Non, j'ai un cochon. Des défilés de super maman. Des nanas extra. Et des dédicaces de livres que j'adore. Mais surtout, j'ai pu voir une famille de blogueuses unies et réunies, heureuses de se voir ou de se revoir et de fédérer pour l'amour du blog et de leur communauté. Et tout cela dans un énorme bain d'émotions.
l'année prochaine. Je ne sais pas vous, mais moi les premiers jours avec bébé, numéro 1, je précise, j'étais complètement perdue. Entre le nettoyage du cordon, le sérum fille, les premiers bains, les consignes du coucher, les couches, la reconnaissance des pleurs, le biberon et où le sein, ça fait beaucoup d'infos.